7h50, je me suis réveillée à 7h20 et là on va à San Diego avec mon chéri. Donc voilà, c'est parti. Je déteste mes cheveux, il va falloir que je coupe ma mèche parce que je n'en peux plus. Je veux ma mèche back. Je suis à San Diego, j'ai laissé mon chéri à son travail puisque là il est en train de travailler et je suis à Westfield dans downtown San Diego et là je suis allée à la poste parce que j'avais des trucs à poster et bah, je vais en fait tout simplement faire un petit peu de lèche vitrine. Je sais pas si je vais trouver des trucs mais en tout cas voilà, si je trouve un truc aussi pour ajouter en cadeau de Noël, ce serait parfait. Mais bon, voilà. Bon, San Diego, c'est la deuxième fois que je viens. Donc, je connais pas vraiment. Mais j'ai vu qu'il y avait un centre commercial en plein milieu. Donc, je me suis dit, on va y aller. Puisque, comme mon chéri travaille pendant 2-3 heures, j'ai rien à faire pendant 2-3 heures. Donc, voilà, je suis ici maintenant. Je sais pas s'il y a écrit là, Westfield. Voilà. Bon, il y a toujours un Starbucks ici, donc à la limite, si j'ai rien à faire, je peux venir là et boire un petit café. Donc, avec d'eau. Regardez-moi cet immense truc là en plein milieu. Bon, malheureusement, je suis à Forever 21 et j'ai trouvé deux petites robes qui sont à 14$. Trop mignonnes. Donc je crois que je vais me les acheter. Je sais que c'est pas bien parce que je sais que Forever 21 c'est mon ennemi, mais je ne peux pas résister. Je suis toute seule, ça fait des mois et des mois que j'ai pas fait du shopping. Donc c'est pas deux robes à 14$ qui vont me ruiner. Bon, je suis dans le centre commercial, j'ai trouvé un pull en plus parce qu'il faisait froid. Donc voilà, j'ai acheté un pull à 30$. Voilà. Bon, de toute façon là, je crois que j'ai fait le tour. Donc, en fait, il n'y a pas grand chose. J'ai l'impression que c'est en train de mourir ici. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas. J'ai l'impression que c'est un centre commercial qu'ils ont construit dans les années 90. C'est un peu genre vieillot, je trouve. On dirait un peu Disneyland, mais abandonné, quoi. Enfin, c'est bizarre. Je vais vous montrer. Là ça va en fait, là c'est le coin où il y a le plus de boutiques, mais quand vous allez dans les coins là-bas, c'est vraiment chelou parce qu'il n'y a vraiment personne. Oh my god, it's so weird! No! What is that? It
You see? Do you see? Yeah. I guess some water. See, the guy, he stopped too. He was like, what the hell? I think he's taking a leak. What the hell is that? C'est la nuit et il y a ça dans le ciel. C'est trop chelou. Maybe there's some lighting hitting it, I don't know. That's so weird. It's like hey. And there's two things. What is that? What is that? No, I'm seriously like why? Take a photo. De finir le vlog hier, donc en fait on est allé avec des amis coréens à Tansongsa, là où on a mangé tteokguchi, jjajigalbi, bla 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 bla, et puis après on est allé à un bar qui s'appelle, enfin bar restaurant qui s'appelle Nandaram. Nandaram. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye! Et...